voudrais rentrer chez moi. Loin. Chez moi, c'est à 500 km. Je dois prendre le TGV. Mon rempart de sécurité. Je suis une personne neuve dès que j'arrive à Paris. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Dans ma famille, on place toujours les maris à côté de leurs femmes, comme s'ils se voyaient déjà pas assez. Là, c'est mes tantes. Angela, Mathilda, celui qui lui tourne le dos, évidemment, c'est son mari. Il parle avec Odile, la femme de mon parrain, Salvatore. En français, ça veut dire sauveur. Depuis qu'il est papy, il est devenu gâteux. On le met toujours à côté de ma grand-mère, parce qu'elle est italienne et que c'est son seul fils. Odetto, brava. Ici, c'est mon papy, ma mère, et sur ses genoux, mon fils, Tona. Aujourd'hui, on fête les 80 ans de ma grand-mère. Elle savait pas que je serais là, ça lui a fait plaisir. Voilà, depuis 30 ans, à chaque fête de famille, on me place là où devrait être assis mon père, à côté de ma mère, et on ne parle jamais de lui. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare. Ma grande sœur fait tout comme ma mère. Elle veut jamais rigoler. C'est quand même pas compliqué de comprendre que s'il y a un joueur à blague, c'est parce que c'est drôle. On n'a pas le droit de répondre, alors encore moins de téléphoner. On n'a pas le droit de répondre pour pas tomber sur lui, mais là on sait qu'il y en appelle quand même. Le téléphone ça coûte cher. Maman a dit, en cas de nécessité. C'est une nécessité aujourd'hui. Non, c'est pas une nécessité. En cas de nécessité, ouais, une occasion. Une occasion? Quoi comme occasion? Quoi comme occasion? Bah un anniversaire ou une fête, aujourd'hui. C'est la fête du poisson d'avril, c'est les farces, alors on peut quand même rigoler, hein. Descends de là, tu sais très bien qu'on n'a pas le droit. Descends! Si tu nous laisses rigoler, on t'appellera plus l'oreille en coin. On l'appelle l'oreille en coin parce qu'elle entend tout. Les grands ont beau se cacher quand ils parlent entre eux, elle, elle entend. Vous m'appellerez plus jamais l'oreille en coin? Plus jamais. Pas sur ce téléphone, on sort de la chambre de maman. Elle est nulle ta farce, maman va avoir peur et tu le sais très bien. Bah justement, c'est ça qu'il faut, sinon c'est pas une vraie farce. Plus l'autre a les chocottes, plus on rigole. Même Poivre d'Arvor a dit à toute la France que le château de Versailles était transformé en HLM. On peut pas faire cette farce-là, maman. Ah, Angela alors. Mais c'est mieux si c'est toi qui appelles. Avec moi, bah tout de suite, tout doute que c'est une blague. Elle est pas comme maman, Angela. Pff, Fayotte. Ouais, Fayotte. Toi, arrête de répéter toutes ces bêtises. Mais je répète pas. Bah si, tu répètes. Mais non, je répète pas. Enchaîne, ma vieille, enchaîne.
La commandante prend le pouvoir sur le Troufion. Pourquoi tu le fais pas, toi? T'es la plus petite. Angela pourra pas douter que c'est une blague. Alors, tu le fais? D'accord. Les papiers de Lyon, j'écoute. Allô, Tazan? C'est toi, Jojo? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Au secours, il est là. Non, non, t'attends, poisson d'avril! Elle a dit quoi? Elle a dit, ah tiens, c'est pas l'oreille en coin qui m'appelle? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Quand elle a entendu, il est là, elle a raccroché. Je la rappelle. Oui, rappelle. Allô? Les papiers de Lyon, j'écoute. Bonjour, je voudrais parler à Madame Di Baggio. C'est une de ses nièces. Ah, elle vient de partir vous retrouver. D'accord, merci. Elle est déjà partie. Tiens, tu rigoles plus? Elle va se faire tuer. Il y avait quand même un gros poisson à l'intérieur de ce journal, il faut que je vous le dise maintenant, c'est que l'affaire du château de Versailles, ça n'a jamais été vrai en fait. C'est nous qui avons complètement inventé ça. J'ai peur. Chut. Ben moi, j'ai pas peur. C'est peut-être lui. C'est qui? C'est moi, Angela. Déjà? Il est où? Il a frappé, on n'a pas ouvert. Il est parti. Il est parti? Comment tu sais qu'il est parti? On l'a espionné. Depuis la cuisine. On l'a vu passer le coin de la rue. Tu veux un gâteau, une tasse de café, une glace? Non, mais tu rigoles ou quoi? Tu peux vous laisser toute seule, les filles? Oui, t'inquiète pas, il se passera rien. Faut que je retourne travailler, alors. Tu peux nous déposer à la bibliothèque, c'est sur le chemin. Et vous avez fait votre devoir? Oui. Non, moi j'ai pas terminé, j'ai encore des opérations à faire. Mmh. Bon quoi, faut bien que je les fasse, hein. Allez, un diamant. Vite, vite, vite. Salut. Tu refermes bien derrière moi et tu ouvres à personne, hein. Alors c'est ça, mon père.
Oh là là, c'est pas possible. On dirait moi. C'est vrai, alors que je lui ressemble. Qu'est-ce que t'as pris? Rien. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de maman? Qu'est-ce que t'as pris? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé dans l'armoire de maman. J'ai rien volé. Qu'est-ce que c'est alors dans ta main? Rien. Ben montre-moi alors. S'il en manque une. Non, je te jure. Range la, faut pas que maman la voit. Qu'est-ce qu'on va faire? T'as rien touché d'autre dans l'armoire? Tu veux regarder? Vous avez vu ça? Arrête! Ça suffit, c'est pas à nous. Ouais, c'est notre père quand même. Avec mes sœurs, quand il se passe un truc grave, on fait une réunion. Comme ça, on se met d'accord. Ensuite, quand maman rentre, on lui fait la tête. Ou on est contente. Maman, faut jamais lui donner son avis toute seule. Faut toujours lui donner son avis de groupe. Il y a un manteau. Il l'a enlevé pour la photo. Il a peut-être froid. Mais non, c'est dans l'entrée, tu vois pas? Le manteau, il est sur le porte-manteau de l'entrée. Mais c'est pas possible, il y a un tableau au mur. Ben oui, il peignait. Mais après, maman a enlevé tous ses tableaux. Il est venu ici? Il a habité ici. Pas longtemps, mais quand même. Tu te souviens de lui? Pas trop. C'est à cause de lui si on est allergique au pollen. Naze. En plus, il est blond. Oui, ben ça va. On voit le début de sa main. C'est une grosse main? Je sais pas. Poilu? Ou quoi? T'as les dents poilues? Il a l'air costaud, non? Un peu, pas trop. Qu'est-ce que t'as vu d'autre dans le placard? Il y avait une photo où ils étaient jeunes tous les deux. Il rigolait sur une moto, avec une tente sur le porte-bagages. Une tente? Laquelle? Angela? Mais non, une tente pour dormir. Je savais pas que maman avait fait du camping. Il y avait d'autres photos encore?
Il y en avait une du mariage. Quoi? Maman, lui, toute la famille derrière. T'étais dans ses bras. Moi? T'es sûre que c'est moi? Quel âge j'avais? Je sais pas. T'étais bébé. Je savais pas que j'étais née avant qu'il se marie. Angela m'a dit pour cet après-midi. C'est la première fois qu'il vient quand je suis pas là. Je pensais pas qu'il puisse venir quand je suis pas là. Vous avez peur? Un peu. Pas trop. Ma grande sœur ne risque pas de tomber dans l'excès. C'est la pondération même. Je veux pas ressembler aux Italiens de notre famille. Faut pas avoir peur, il vous fera pas de mal. Il s'y risquerait pas. Oui, ou moi. Bah, vous savez où elle est. Je sais pas pourquoi on s'assoit toujours à la même place. Georges est à droite, Corinne à gauche, moi au milieu. C'est comme ça. Je suis seule du milieu, peut-être pour ça. Quand je suis née, ma mère avait préparé toutes mes affaires en bleu. Si j'avais été un garçon, ma grand-mère et mon parrain auraient mieux aimé mon père. Après Corinne, il leur fallait un fils. Je devais m'appeler Georges. J'ai échappé au pire. Du coup, c'est ma petite sœur qui a morflé. Georgette, ça va mieux tes cuisses? Georgette a les cuisses irritées parce qu'elle frotte quand elle marche. Tu remettrais de la crème après ta douche. La pauvre, déjà qu'elle a un nom de vieille. Sibyl, t'écoutes, redresse-toi! Ma grande sœur Corinne prend toujours sa douche la première. On va nous mettre en retard. Sibyl, c'est pas possible tes cheveux. Je sais pas comment tu fais pour avoir des nœuds comme ça. T'as intérêt de bien les brosser parce que je veux pas t'entendre tout à l'heure. C'est infernal, tous les matins c'est la même chose. Bah ouais, tous les matins je me réveille quoi.
Raymond Barre prend dans la majorité la deuxième place derrière Simone Veil et gagne 13 points de popularité. Un autre sondage d'ailleurs va dans le même sens, celui que publie également ce matin le quotidien Rhône Alpes. Allez, dépêche-toi. Allez, pousse-toi de là. Tu pourrais me laisser sortir quand même. Ou ta gueule, Miss Pompon, t'as qu'à pas rester une heure. T'as quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? T'as quoi? Bouge le mec qui me démange. Alors attention, toi, tu files un mauvais chemin. Demain, c'est toi qui feras le lit de ta sœur. Non, mais dis, ta gueule, on aura tout entendu. Un mauvais chemin, un mauvais coton. Corinne, tu feras réchauffer les beefsteaks 10 minutes? J'ai pas le temps de rentrer aujourd'hui à midi chez le commissaire au compte. Maman ne veut pas qu'on mange à la cantine. Elle dit que c'est mauvais genre. Elle travaille loin, hein. Mais elle préfère quand même remonter les pentes de la Croix-Rousse au pas de course tous les midis. Corinne, t'as bien ta clé? Oui. C'est bien. Sybille, j'aimerais bien que ce soir tu rentres avec tes tresses. C'est pas de ma faute, elles se défoncent quand je joue. Oui, c'est ça. Bonjour, monsieur Honnête. Bonjour. Dites, elles ont des mules, vos filles? Des quoi? Des pantoufles. J'ai croisé les boutins. Ira, lui aussi. Ils ont du bruit en permanence. Écoutez, si l'état de mes filles dérange les boutins, ils sauront venir me trouver eux-mêmes, non? Allez, descendez les filles. Eh ben voilà, on va avoir un nouveau truc à faire. Va falloir qu'on mette nos chaussons tout le temps. Tout ça parce que ma mère n'a pas de mari et qu'elle est italienne. Perché, perché? Tutti chiedono perché. Perché, perché? Tutti vogliono sapere. Ce soir. Oh là là, on va encore manger des steaks et la moutarde. Ne t'inquiète pas, je vois des pâtes. Curiosità è una parola sola con accento sul A. Ogni persona al mondo chiede. Tu fais un cadeau pour la fête des pères cette année? Oui, une étoile en mosaïque. Tu vas la donner à maman? Je sais pas, pourquoi tu la veux? Ouais, pourquoi pas, si tu l'as réussi. T'inquiète pas, je m'appliquerai. À l'école, ils voulaient couper mes cheveux pleins de poux. J'ai refusé. Ça a étonné ma mère qui pense que je suis un garçon manqué. J'ai les cheveux longs. Même pour un garçon manqué, j'aime bien. Le seul problème, c'est qu'elle veut absolument me faire deux tresses chaque matin. Bonsoir, madame. Bonsoir. Chambre 419, troisième étage. Merci. Les enfants. Chut, Corinne. Hey, Corinne, c'est qui? C'est la sœur à Sybille. Oui, c'est la sœur à Sybille. Elle a des gros nichons, hein? Tu parles des nichons, elle a que dalle. Tu crois qu'elle porte des soutifs? Peut-être. Hey, faites gaffe, elle arrive. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que je fous là, moi? Je suis plus née à te surveiller. C'est pas une photo qui va me protéger contre ce grand con. Ce sera pas toi le plus fort, hein. Je peux pas croire ça. Le dire à mon père. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, Sybille, t'as fait une jolie peinture. Qu'est-ce qu'elle a fait encore?
T'auras pas peur, hein? Sibyl! T'aurais pas pu choisir un autre jour, non? Faut que t'attendes l'anniversaire d'Angela pour te faire esquinter. Je suis désolée. Moi, je me saigne les veines pour vous acheter des robes neuves, et toi, c'est tout ce que tu trouves à faire. Mais c'est pas de ma faute, c'est Kinder. Il a insulté Corinne alors qu'elle est même plus dans l'école. D'ailleurs, tu le sais très bien, avant, c'est elle qui l'embêtait, il lui tirait les cheveux. Personne te demande de prendre la défense de ta sœur. Bon, et toi alors? Quand il frappe à la porte, t'appelles pas ton frère, peut-être? Arrête de tout mélanger, ça n'a rien à voir. C'est vous que ton parrain protège. Moi, je me débrouille très bien toute seule. Non, mais... Ça va, madame? Je vous fais pas trop mal? Papier, Angela a déjà appelé tout à l'heure. C'est peut-être lui. Allô? Attends deux minutes. Je vais te prendre dans ma chambre. Esquintée et elle a un œil au beurre noir. Enfin bon, je veux pas parler plus fort, j'ai peur qu'elle s'entende. Arrête tes conneries pour se retourner à foutre. J'ai pas besoin de toi. J'ai mon frangin, figure-toi. Je me débrouille très bien toute seule. Tu veux lui parler là, maintenant au téléphone? Mais tu crois pas que c'est un peu tard? Enfin, si tu veux. Mais t'assumes, si elle demande à toi, tu défiles. Tellement prévisible. De toute façon, la seule chose qu'elle veut entendre, tu peux pas leur dire. J'entends plus rien. Moi non plus, je comprends pas. Mais c'est pas moi qu'il faut le dire. Mais où tu veux qu'on se voit? Non, je crois que c'est pas une bonne idée. J'ai pas le temps, je t'assure. J'ai trop de travail. Allez. Vous avez affaire avec tous vos jouets qui traînent. Perché, perché? Tutti chiedono perché. Perché, perché? Tutti vogliono sapere. Curiosi. Très bien, t'as intérêt à raser les murs, hein? Comment je vais faire? Je vais quand même pas rester de profil toute la soirée. Bonjour, ma
Jojo? Oui, Omi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Non, mais toi, tu sens qu'elle est allée. Non, mais... Elle m'aura tout fait voir, celle-là. Tiens. Ecco qua. Chi ha voluto crescere da sola? Se era per noi. Qu'est-ce qu'elle dit? Laisse, mais je comprends rien. Venez, venez. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qu'elle a eu? Oh, c'est Kader, le garçon de 14 ans qui est encore en CM2, qui l'a poussé par terre à l'école. Le fils à Latifa? Ça m'étonne pas. Qu'elle est méchante, celle-là. Elle dit du mal de tout le monde. Ah, on veut pas dire qu'elle suit le coup d'à côté, ça non. Ah! Tout m'a fait, on a pile d'eau, là. Mais alors, à la fin de la journée, on a pris une coupe de salut. Ah bon? Mais même les arbres ne la trouvent pas belle. Ils disent qu'elle ne sait pas cuisiner. Oh, le mec avec les enfants. Ils font le bon. Elle ne fait pas le gâteau. Va jouer avec tes soeurs dans le jardin. Maman, arrête, tu peux t'entendre. Tu es toujours aussi raciste, toi. Raciste, je parle de Latifa. Les arabes ne sont pas trop belles. Mais Latifa, moi je sais ce que c'est le ramadan. On marchera pendant une journée. Je savais pas que mamie elle travaillait avec la mère de Kader. Pourquoi j'ai les rats que les mères qui font le ménage? Bah, parce que les grand-mères sont pas là, elles sont restées au pays. À part celles qui ont un mari épicier, les mères arabes elles font le ménage avec les grand-mères des Espagnols et des Italiens. Mais les mères espagnoles et italiennes, elles font plutôt un autre métier. Ça dépend du pays en fait. Les Espagnoles, elles font plutôt gardiennes normalement. Et les Italiennes, bah, c'est un peu comme Angela. Elles sont secrétaires ou vendeuses. Enfin, je sais pas trop. T'as pigé ? Entre les mères et les grand-mères qui travaillent ensemble, c'est facile de tout savoir sur tout le monde. Sauf ma mère. Ma mère, c'est pas pareil. Ma mère est italienne. Mais elle a trois petites françaises. C'est leur père qui est français. Elle a du mérite. Elle les élève toute seule. Ma mère, elle a fait des études. Personne ne parle sur elle. Elle parle de personne. Bien, un bulletin des notes, Sibylle. Hein? Tu travailles bien à l'école, hein? Tu t'es défendu quand même. J'ai visé les couilles. Va bene, parce que attention, hein. Sinon, je vous mets dans le poulailler avec les coqs pour vous apprendre à vous battre, hein. Colio. Elle est à qui, cette petite blonde? C'est la deuxième de ma sœur aînée. Elle est drôlement blonde. C'est leur père qui est blond. C'est son portrait tout craché. Son portrait craché. Tout ça parce qu'ils sont tous bruns et pas moi. Ils m'ont qu'à m'emmener en Italie. Ils verront si je suis moins italienne qu'eux. Il y a un truc qui m'énerve encore plus, c'est... Celle-ci, c'est bien une de chez eux, il n'y a aucun doute. L'été, ils sont tous bronzés et moi, je reste blanche comme un cachet d'aspirine. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est... Elle doit se baigner en t-shirt, sinon on l'appelle comme une patate. Toi, tu veux te battre? Michel, comment ça va? Anna, Anna, viens. Je te présente Michel. Michel, Anna, c'est ma sœur. Champagne. Merci, ma belle. Mon parrain arrive à la fête. Comment t'es habillée? T'as vu ta mère? Ça veut dire que l'anniversaire d'Angela, c'est vraiment exceptionnel. Mon parrain, c'est pas comme ses sœurs. Il a pas besoin de donner des raisons pour pas venir déjeuner chez mes grands-parents le dimanche. S'il vient pas, il vient pas.
S'il vient, c'est mieux que tous ceux qui viennent tout le temps. Il est plus italien que les autres. Ça se voit qu'il est le plus fort. Quand il fait une blague, on éclate de rire pendant longtemps. Tout le monde le craint. Qui c'est qui t'a fait ça? C'est pas lui. C'est un arabe. Pourquoi il t'a esquinté comme ça? Parce qu'il est amoureux de Corinne. Mais à ce compte-là, vaut mieux pas avoir d'amoureux. Je comprends plus vite que toi, ta fille. Hein. Attention, hein. S'il veut remettre ça à ton arabe, tu vas dire que ton pareil va venir. Hein. On ira lui tailler les oreilles en pointe. Non, c'est pas la peine. Il a été renvoyé pendant 3 jours. Et puis, c'est pas de sa faute, ça a dérapé. T'es pas toute blanche, toi, Nivre. Hein. Ah. J'allais faire danser ta mère, moi. Moi, j'aime pas les slow. Parce que si ma mère m'attrape, je dois danser avec elle. Tu parles, je m'en fiche de tourner en rond pendant toute la chanson avec ma mère. L'artiste, c'est pas une merguez. L'artiste, c'est moi. À moi, il dit l'artiste, alors qu'il a jamais regardé mes dessins. Il dit l'artiste parce qu'il trouve que je fais des conneries d'artiste. Les autres, ils appellent Walio, les gamins en italien. Même aux grands, ils disent Walio. Moi, c'est l'artiste. Les mains propres. Ah bon, c'est propre ça? Et ben quoi, elles sont blanches les mains. Et là, c'est quoi ça? C'est pas du noir? Quand t'as les paliches dans le cambouis, hein, et après on verra de quelle couleur elles sont. Bon, moi j'aimerais bien si maman me laisse. Alors celle-là, c'est vraiment bien ta fille, là. Oui, j'ai mis à part. J'aime bien qu'on dise que je lui ressemble. C'est pas vrai, mais je m'en fiche. Mon parrain, c'est mon préféré. T'as qu'à y aller, toi. Je suis déjà allée, Jojo aussi. Et son Michel, là, il sait pas danser? Son Michel? Regarde, elle est toute seule sur sa chaise. Arrêtez! C'est bon, c'est pas la peine de chier. Va voir maman, je te dis. Va, plus tard. Comme la guitare, la Emma. Allez, merci, ma chérie. Jean-Pierre, un slow. Allez. Vous voulez danser? Bah, moi je trouverais ça bien qu'on ait pu à danser avec elle. Ça te ferait plaisir quand ils viennent s'installer à la maison? Oui, ça me ferait plaisir. On n'aurait plus besoin de surveiller si elle est triste ou non. Ce serait plus notre faute. Ce serait sa faute à lui, on pourrait l'accuser. Nous, on serait seulement les enfants. On s'en foutrait complètement. Les voisins ne regarderaient plus de la même manière. Kadar ne me ferait plus tomber. J'aurais droit de faire le con. Et toi? Non, je m'en fiche pas. Je veux pas qu'elle se remarie. Bello, les gars. Tous ces belles-mères. Amuse-moi. C'est qui ce porte-slip? Je suis collègue d'Angela. Décidément, c'est tout ce que tu trouves comme lascar, hein? Tu peux pas nous en ramener un qui tienne debout derrière sa cravate? Non, mais...
Salvatore, arrête. Il veut nous gâcher la soirée. Bon. Je vais aller boire quelque chose. Vous voulez un verre? Moi, je crois que t'as assez bu. Oui. Alors, tu vas plutôt aller voir dehors ce qui se passe. Il veut pas te faire des meneurs de portrait, ok? Ok. Au revoir. Merci pour la soirée. Ouais, hein. C'est ça, file. File avant que je te botte le cul. Oh. La même chose. Ça va? Allez, va danser, je m'en occupe. Allez, va. Décidément, il t'aimait pas beaucoup, hein. Il est déjà parti. Allez, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Allez, va, va, va. Ma pauvre. C'est rien, elle est venue en danse. Elle peut marcher. Pourquoi t'as fait ça? J'ai honte. Tu m'as fait honte. Moi, je t'ai fait honte? C'est encore un type comme ça que tu veux? Puis tu m'appelleras dans 6 mois, là, quand il viendra frapper à ta porte, lui aussi? Mais tu crois que ça me plaît, à moi, d'avoir le rôle du chien de garde? De toute façon, pourquoi tu m'appelles, hein? Pour me prouver que tu tiens contre lui? Pour te protéger, t'as une porte? Très bien, je t'appellerai plus. Attends, oublie jamais un truc, Anna. Hein. Quand t'as voulu divorcer, tout le monde a dit qu'il valait mieux un mauvais père que pas de père du tout. Il n'y en a qu'un qui t'a soutenu ici, un seul. Devant tes filles, Anna. Arrête avec tes raccourcis. C'est rien de si terrible. J'ai pas besoin des conseils. D'ailleurs, mes filles sont mieux élevées que les tiennes. C'est vrai. Tu peux être fière d'elle, ouais. Vous voyez pourquoi je viens pas vous chercher tous les soirs. Je suis désolée de vous avoir fait attendre, mais je voulais leur faire plaisir au dernier jour. C'est pas grave, c'est les vacances. Nous, on part au Cap d'Agde. On y va tous les ans. Mon mari apprend à nager aux enfants. Ils sont contents de pouvoir profiter un peu de leur père. Ben nous, on part en Italie. En Italie? Bah, c'est joli l'Italie, mais c'est un pays de voleurs. Hein. Faites attention à vos affaires. J'ai de la famille là-bas. Mais je dis ça, c'est ce qu'on raconte, j'y suis jamais allée finalement. On part en Italie. On mangera des glaces. Oui, des glaces et des pizzas, mais pas trop quand même. Hein. Tu sais ce qu'a dit le pédiatre. Et on part toutes les quatre. Hein. Oui, toutes les quatre. Je veux pas en laisser une sur le bord de la route. On va à Rome. Oui, on y passera. Tu vois, l'Italie, c'est comme une botte. Nous, on va là. Rome, c'est là. Je voudrais voir le Colisée. Bon, on pourra peut-être s'arrêter. Hein. On verra. On va en Italie. On va c'est en un Italie. Peu voleur. Bonnes vacances. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Allez. On part combien de temps en Italie? 15 jours en août. Mais en juillet, j'aurai pas de vacances, alors faudrait que vous alliez en colonie. Ah, c'est pour ça, l'Italie? Mais non, c'est pas pour ça. Si on pouvait aller un mois et demi en Italie, j'aimerais autant, je t'assure, plutôt que d'avoir à travailler. J'ai pas envie d'aller en colonie. Pourquoi on va pas chez Tati Mathilda? C'est pas possible cette année, ils vont dans la maison de son mari. Et si je pouvais faire autrement, je vous enverrais pas en colonie, tu le sais très bien. Alors arrête, s'il te plaît. Moi, je suis contente de partir en colo. Tristan et Estelle, ils y vont tous les ans. L'année dernière, ils ont nagé en dehors du périmètre. Et ils se sont fait attraper par les monos. On va bien s'amuser. Allez, arrêtez, quoi. Mais laisse-nous, en plus, on a mal à la tête. C'est pas étonnant, ça fait 2 jours que vous pleurez. Ohé, oh, les filles. Vous allez pas à l'abattoir, vous partez en vacances. Quel connard, j'espère que ce soit pas notre moniteur. Mais regardez les autres enfants, ils pleurent pas. Leurs parents ne les aiment pas. Laisse-le, il peut pas comprendre. Leurs parents s'amusent pas autant que les enfants vont en colonie. Bah non, les enfants qui sont ici, ils sont contents d'aller en vacances. Ah, les enfants, vous êtes contents d'aller en colo? Ouais, ouais, ouais.
On voit bien que tous ses parents sont ravis de se débarrasser de leurs enfants. Ma mère n'est pas comme eux. Ma mère n'a pas une tête de parent. Elle a une tête de notre mère, c'est tout. Aujourd'hui, ses cheveux sont énormes autour de sa tête. Elle n'a pas eu le temps de les attacher ce matin. À cause de moi. J'avais pas rangé ma trousse de toilette comme il faut. Je pensais que maman, elle nous ferait jamais ça. Si tu as de la joie au cœur, frappe les mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe les mains. Si tu es content d'être là, si tu es content d'être là, si tu es content d'être là, tape dans tes pieds. Alors écoutez-moi les enfants, ici c'est Mumu, Muriel, elle s'occupe des petits. Moi c'est Jérôme, Gégé, je m'occupe des grands. Et lui c'est Alain, Lalin, il s'occupe des moyens. Lalin, des moyens, ça rime. Ils vont nous séparer. Mais maman m'avait promis qu'on restera ensemble toutes les trois. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je souhaiterais parler à Madame Di Baggio. C'est moi-même. Monsieur Garcin, à l'appareil, je suis le directeur de la colonie Les Mouettes. J'ai Corinne, Sybille et Georgette Mercier devant moi. Ce sont bien vos filles? Ce sont bien mes filles, oui. Je suis embêté. Pourquoi? C'est Sybille qui n'a rien mangé depuis qu'elle est arrivée. Elle fait la grève de la faim, figurez-vous. Tout ça pour que vos trois filles soient mises dans le même groupe malgré leurs différences d'âge. Écoutez, monsieur, c'est la première fois qu'elles partent seules. Je sais bien que vous avez des groupes, mais nous nous étions dit, si vous vous souvenez bien, qu'elles iraient toutes les trois chez les moyens. Et je sais que Sybille renoncera pas. Antoine, la vendre. Ne le prenez pas comme ça. Enfin, il y a un règlement, et vis-à-vis des autres parents, ça me met en porte-à-faux. Écoutez, monsieur, les autres parents font comme ils veulent. Moi, je fais comme ça. Et si ça vous arrange pas, je viens les récupérer. Et on n'en parle plus. Très bien. Mais surtout, ne vous dérangez pas, je me débrouillerai. Allez, au revoir, madame. Merci, monsieur. Au revoir. Ouf. Et ben voilà, j'ai jamais pu me faire la belle le soir. Ma grande sœur me surveillait trop. Ça c'est pas bien fini, cette colonie. Vous avez connu sa copine Stéphanie, elle voulait plus la quitter. T'as maigri, Jojo. T'as pas fait la grève de la faim, toi, pourtant. J'ai rien bouffé pendant un mois. À la cantine, elle a surveillé tout ce que je mangeais. Elle était super sage. Bah, t'en as appris du vocabulaire en colonie. Qui on dit pas bouffer, on dit manger. Rentre dans la voiture. Et puis toi, arrête de pleurnicher. Tu sais bien que j'aime pas les larmes. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Si tu veux le voir, il n'y a aucun problème. Ça te ferait plaisir que je l'appelle? Qu'est-ce qui se passe? T'occupes, c'est une histoire entre Georgette et moi. Georgette, tu veux que je garde ce secret? Ben, libre à toi. Il y a quelque chose qui va pas? Vous n'êtes pas heureuse ici? Je vous écoute. Alors? On leur donne tout. De vraies petites princesses jamais satisfaites! Mais qu'est-ce qu'il vous faut encore? Thank you.
avait dit qu'on partirait toutes les quatre. Mais on est toutes les quatre. On n'est pas toutes les quatre, on est tous les 14. On arrive l'année prochaine, hein. Putain, mais elle peut pas aller plus vite. Allez, andiamo! Ah, les pare-chocs. Ah, moi, je veux bien. Comment elle fait pour les poussiller comme ça? C'est déjà bien qu'elle conduise. Deux chevaux rouges! Bon, ça va maintenant, les filles, hein. Deux chevaux rouges! Arrêtez, hein. Ouais, la prochaine fois, c'est moi qui vais t'en mettre. Oh, mais maman! Mais quand il y a une deux chevaux rouges, on donne une claque. Non, mais malade, mais conduit comme un. Comme un marteau! Perché, perché? Tutti chiedono perché. Perché, perché? Tutti vogliono sapere. Il y a encore combien de kilomètres? T'as qu'à regarder le compteur, tu fais le calcul. Je peux pas, t'es devant. Oh. On en a fait presque 600. Il en reste 400. On a fait plus de la moitié. Oh là là, ça m'a donné envie de vomir, de me pencher en avant. Ouais. Faire pipi. Là, t'attends, on a pipi. Queste sono le figlie di Anna. Allora non c'è nemmeno Di Biagio. Qu'est-ce qu'on fait? Guarda la biondina, che occhi belli che c'ha. Elle est où, maman? Una meraviglia. On y va? Dio mio, ma è tutto cambiato qui. Quale sorte le figlie? Allora, vi presento le mie figlie. Corinna. Giorgia. Questa è la mia piccola francese. Françoise? Ma no, francese vuol dire française. Ma moi aussi je suis française, puis Jojo aussi. Arrête, si chiama Sibilla. Ma perché tu changes le prénom? Arrête, je rajoute juste un A. Hey, guarda, guarda come bionda. Come sono carine, sono tutte gracili. Sì. Ma è vero allora che le bionde sono delle mezze tappe? Je comprends rien. Tu comprends toi? Non, que dalle. Je croyais que maman ne parlait pas italien. Fantastico, scoppa i sette, bello. Aspetta, ho l'asso. Anna, ma in realtà noi, a tuo marito, non l'abbiamo mai visto. Ce l'ho nascosto bene? Era uno che stava bene solo in città, a casa sua. Aveva, come vi posso dire, le sue cose, le sue abitudini. E qui... Ma allora, perché l'hai lasciato? Perché... Mica era un ubriacone. Era un artista. E con lui andavamo a vedere delle esposizioni, delle mostre e delle belle cose. Le esposizioni? Quelle degli altri? E intanto, mentre voi ve lasciavate con le bambine, ci stava mia madre. Direi venirgli a riprendere da sola, perché lui non si reggeva manco in piedi, tanto era corto. Poi che il signor si ubriacava con lo champagne o con il whisky, sempre fradicio era. Tieni, fai qualcosa. Non è riuscita a farlo stare con due piedi in una scarpa, dipingeva. Ma che? Non è venduta manco una di ste croste. Avrebbe fatto meglio a pittare prima i muri dell'appartamento. Se ne stava come un ragazzino viziato. Ma chi è? Uno che ha figli che non lavora e che poi manco se ne occupa. Un figlio in più è.
In fondo è colpa tua, Anna. Hai voluto studiare. E mica si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, eh? Ma che vuoi dire? È semplice. E tu te ne stavi come si deve. Lui pure se ne sarebbe stato al posto suo. Un marito lo devi fare rigare diritto. Io ne so qualcosa, specie con la bottiglia. Oh, sta zitto. Intanto, io sono felice di aver studiato. Perché oggi non ho bisogno di nessuno. Era uno che non aveva le palle, ha fatto bene a lasciarlo. E poi, la più grande, se n'era accorta che da mezzogiorno in poi suo padre non era più lo stesso. Ci doveva pure avere le palle, quando l'ho messa incinta, prima di sposarsi. E l'ultima, la più piccola, Non è arrivata dopo il divorzio? Sì, si sono rimessi all'opera. Non ne avevano avuto abbastanza. Anna. Anna, non ti offendere. E poi alla fine siamo tutti uguali. Non c'aveva i coglioni. Però pare che già aveva lo charme, Basta, Salvatore, basta. Lasciami in pace. Piano, io non sto dormendo. Yeah. È l'artista. Silvia, sali con Matteo. Atto. Me la trascino sempre io. Dai, Giorgetta, sali con me, vieni, dai. Dai, venite. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? C'est dangereux, il est tout pourri son scooter. Quoi, maman, on vous a rien dit. Parce qu'on est en Italie. Oh, Cenerentola, ma che aspetti? Il permesso di tua madre o la carrozza del principe azzurro? Dai ragazzi, salite, forza! Dio santo, com'è buono! Mi sono trovata vicino. Te lo giuro, io potrei fare l'andata e ritorno per sto salamino. È pazzesco, da nessun'altra parte lo fanno così buono. Ma lasciami in pace, t'avec elle, avec eux, si tu veux le savoir. Mannaggia, questa bambina. Non ti preoccupare, Anna, che te ne do per quando partite. Thank you.
T'es pas venu, tu serais resté sur le bord de la route comme un chien? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps, à part marcher dans le mauvais sens? Des trucs. Ouais. Allez, monte. T'aimes pas beaucoup Antonella, hein? C'est parce qu'elle est jalouse. Elle aimerait bien être blonde comme toi. Elle a dit que si mon père était parti, c'est parce qu'on était trop nuls. Tu comprends l'italien, toi, maintenant? De vacances à l'instant. Maintenant, tu vas faire attention à ce que tu avales, Jojo. Hein? Ouais, dormir avec toi ce soir. Mais t'as un lit ici, que je sache, non? Bougez pas, c'est là. Je reviens. J'y vais, moi. Il va voir sa gueule. Je crois qu'il va nous kidnapper. Mais taisez-vous! Allô? Il est là. Derrière la porte. Oui, tu viens. Au petit déjeuner, je fais une orange pressée. C'est pas vrai, comment il peut revenir comme ça encore 10 ans après? J'ai toujours pas compris, hein. Ça va durer combien de temps encore, ces conneries, hein? Je suis en retard. T'inquiète pas, tout se passe bien, je m'en occupe. Bon alors, je t'ai tout mis dans un sac, une couche, un bib, mais je pense pas que t'en auras besoin, hein. Dans une grosse surcette pliée, après on file à l'anniversaire de mamie. T'as vu l'affiche? Ouais. Elle est belle, hein. Maman est là? Oui. Mes sœurs? Elles sont dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Bon. Alors je vais dire à l'attachée de presse que je suis arrivée, elle doit être inquiète. Ah oui, mamie, je sais pas que tu vas venir, c'est une surprise. On croit qu'on sera en petit comité.
T'as trouvé une photo pour moi? Oui, j'en ai trouvé une dans le long mag. T'inquiète pas, hein, pour elle, ce sera super, elle pourra la montrer à sa pharmacienne. Et puis avec le petit boutchou là que tu nous as amené, tu pouvais pas lui faire plus plaisir. Voilà, tout à l'heure. Salut, Montana. Bon, ben, merde. Ouais. Une coupure de magazine au milieu des 37 photos. Voilà ce que mamie aura pour son anniversaire. Bonsoir à tous, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Sybille Mercier qui est avec nous à Lyon, sa ville natale. Sybille Mercier est venue pour répondre à vos questions suite au film, au très beau film Les Servantes que vous venez de voir. Alors comme je sais qu'il est toujours un peu difficile de poser des questions suite à l'émotion d'un film, surtout un film comme celui-là, je vais en profiter pour vous rappeler brièvement ce qu'a fait sa carrière. Ensuite, sa carrière a débuté. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Voilà. Je m'appelle Caroline. Ça y est. Il est là. Il est pas mort alors. 30 ans que je réponds, je n'ai pas de père, je n'ai qu'une photo. Devant les mines compatissantes, je réponds. J'ai pas de père, mais je m'en fiche. C'est comme ça. On partage juste le même nom. En fait, j'ai cherché à montrer jusqu'où on peut aller par amour pour quelqu'un. Pour exister à ses yeux. Si Solange s'était pas sentie si différente de la famille dans laquelle elle débarque, elle en serait sans doute pas arrivée... Elle en serait sans doute pas arrivée là. Merci, Sybille. Oui, il y a une autre question, oui? Oui, bonsoir. Moi, la question que je voulais vous poser, c'était de savoir pourquoi vous êtes partie de Lyon. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de débouchés? Non, c'est pas exactement pour cette raison. C'est tout simplement parce qu'on m'a proposé un film au Luxembourg. Et c'est un film qui me plaisait beaucoup, que j'avais très envie de faire. Jusqu'au jour où on m'a proposé le scénario des Servantes, qui m'a beaucoup plu à la lecture. Et cette histoire entre ses sœurs, avec cette relation aussi forte, me plaisait beaucoup. D'accord. La pulpe bleue. Bien, je crois que nous allons passer maintenant à la séance dédicace. Alors, je vous remercie tous d'applaudir Sybille Mercier de s'être déplacée. Merci. C'est une réussite. On se retrouve tout à l'heure. Qu'il était là. Tu l'as reconnu? Pourquoi il est venu? Je ne sais pas. Et en tout cas, il est très mignon, ton fils. Pourquoi il m'a pas attendu? Il portait un pull de laine. Un pull bleu pétrole. Bonjour, mesdames. Bonjour.
Sibylle. Oh, et le petit. Ça va, papy? Tu es venu sans ton mari? Oui, il est en tournage. Mais où ça? En Italie. C'est pas les deux potins, ça? Natura. C'est dommage. Ah, ça va? Alors, t'es venu? Ouais. Ça va? Bah alors, t'es pas en tournage? Bah non. J'adore ton chemisier, ça fait très créateur. Ah, merci. Et il est où, le petit? Il est pas assez bien pour lui ou quoi? Oh, ça va, tu peux laisser à ta mère deux minutes, tu verras après, non? Excuse-moi, faut que j'aille parler avec mes sœurs. Ah, bah d'accord. Ça fait plaisir de te revoir, hein. Oh, arrête. Il est venu. Tu l'as vu? Ouais. T'es sûr que c'était lui? Ouais. Comment tu le sais? Tu l'as jamais vu? C'était lui. Je te le confirme. Tu lui as parlé? Non. Il m'a pas attendu. De toute façon, il serait pas resté. Pourquoi? Il est venu t'admirer. C'est son droit. C'est pas si grave. Il t'embêtera pas. J'ai pas peur qu'il m'embête. Bon, on en parlera plus tard. Hein. Comment tu vas faire demain avec le petit pendant tes interviews? Jean, je te le prends ce soir, après il y a Lucille qui vient. Allez, on est chanter les filles. La chante mi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano. Quoi faire? Faut que tu l'appelles, Sibylle. T'as pas le choix, t'en as pas dormi de la nuit. Et ma mère? Écoute, ta mère, c'est pas ton problème. Et mes sœurs? C'est toi qui l'es venue voir, c'est une histoire entre lui et toi. Tonin est réveillé? Il est pas là, je l'ai laissé chez Georgette. Une histoire entre lui et moi. Allô, bonjour, je voudrais parler à Antoine Mercier, s'il vous plaît. C'est moi. Bonjour, je m'appelle Sibylle. C'est bien de me téléphoner. C'est vous que j'ai vu hier à la rencontre? Oui. Pourquoi vous m'avez pas attendu? Je voulais pas faire d'histoire. Tu veux qu'on se voit? On pourra boire un café? Oui, pourquoi pas? À la Croix-Rousse? Si vous voulez. La brasserie des écoles sur le boulevard. Très bien.
Combien de temps tu restes ? 3 jours. Mercredi, 14h ? Oui. Un mercredi, alors ? Ouais. Au revoir. Au revoir. Il a choisi le dernier jour de mon passage ici. Il veut pas prendre le risque qu'on se revoie. Comment est sa voix ? Normal. T'as pas peur ? Oh, ça va, on a rendez-vous dans une brasserie. À quelle heure ? 14h. Et maman ? Je lui ai pas dit. Tu vas lui dire ? Je sais pas. Faut lui dire. J'ai l'impression qu'on l'a trahi. Non, mais c'est pas le cas. Ça, c'est ce qu'elle s'est foutue dans le crâne. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Moi, je viendrai bien, mais sans qu'il me voie. Installe-toi une ta voisine. De toute façon, il t'a jamais vue. Tu pourras entendre la conversation, si tu veux, tu nous rejoins. Seulement, tu te débrouilles pour pas être dans mon champ de vision, hein. Moi, j'ai pas envie d'éclater de rire. On l'a dit, imagine. T'arrives, tu dis « Bonjour Antoine » et tu te marres pendant tout le rendez-vous. Oh là, tu te démerdes pour avoir une table pour s'asseoir en face, hein. Moi, si je vous rejoins, je veux pas me retrouver à côté de lui. S'il dit du mal de maman, je le gifle. Et moi, je lui file une patate. Je suis obligée d'y aller avec vous. Les 3 petits cochons et le grand méchant loup. Les 3 petites truies, oui. Excusez-moi, mais il y a la première radio qui est arrivée. Oui. Ouais. Maman a essayé de m'appeler toutes les 5 minutes. J'ai pas décroché. J'ai eu peur de changer d'avis. Bon, faut que je sorte. J'ai la fièvre acheteuse. Acheter quoi ? N'importe quoi. J'ai besoin d'avoir besoin de quelque chose. Je vais pas rester enfermée dans cette chambre d'hôtel jusqu'à l'heure du rendez-vous. Tel état que tu te souviendras plus de rien. Ah merde! Au pire, tu vas aux chiottes, le temps de te calmer. Dictaphone. Mais enregistre. Ne pas jeter 30 ans sur une table de café. Ne pas le culpabiliser. Être cool. Le mettre à l'aise. Il va sûrement avoir plein de questions à me poser. Des courses ? Oui. T'es bien physiquement. Et moi, comment tu me trouves ? Bah, comment ça ? Physiquement. Bah, j'en sais rien. Je trouve comme vous êtes, je vous ai jamais vu. J'ai maigri. Hein ? J'étais content de te voir aux émissions. T'avais l'air bien. Parce qu'à un moment, je me suis quand même posé la question. De quoi ? Est-ce qu'elle est bien équilibrée ? Faut dire que vu de loin, ton personnage a quand même un grain. Non, je te vois, t'as l'air bien. En forme.
connais pour toi, t'as une belle vie. À 30 ans, je reconnais pour qui ça va moins bien. Regarde. J'ai regardé tes photos. J'ai mis tout ce que j'ai trouvé dans la presse. Comment vont tes sœurs? Elles vont bien. J'aurais parlé de notre rendez-vous, elles viendront peut-être. Ce serait bien. Je serais heureux de faire leur connaissance. Vous êtes remarié? Non. Vous n'avez pas eu d'autres... Non, j'ai pas eu d'autres enfants. J'ai que vous. Il n'a eu que nous. Ben, il n'a pas eu grand-chose, alors. Faites quoi comme métier? Rien. Je suis en retraite. Quand j'étais jeune, j'étais peintre. Artiste comme toi. Et puis la vie a pas voulu que je devienne un artiste. La vie? C'est drôle. Quand j'étais petite, je peignais aussi. J'ai même fait une exposition à la bibliothèque. Je le vois enfin. Cet homme me fend le cœur. Quel âge avait-il? 19 ans. Elle en avait 18. Elle venait d'Italie. Elle avait fui la misère. Il était blond, français, distingué. Elle a quitté ses parents pour lui. Elle est tombée enceinte. Une fois, deux fois, trois fois. Il assurait pas. Il était paumé sous ses grands airs. Entre lui et nous, c'est nous qu'elle a choisi. Elle s'en est sortie. Elle nous en a sortis. C'est Corinne. Ah. Eh oui. Corinne n'a jamais laissé traîner son visage sur une table de salle d'attente, elle. Dans aucun magazine. Je suis l'aînée. Je suis bibliothécaire, j'ai 34 ans. J'ai deux enfants, j'habite Lyon. Bonjour. Bien d'être venu. Vous habitez Lyon? Oui. Vous êtes seul? Oui. Vous ne vous êtes pas remarié? Non, c'était... Après l'échec avec... Anna. Je pouvais plus. Et vous n'avez pas eu d'autres enfants? Non, j'ai pas eu d'enfants. Georgette. Quoi comme métier? Libraire, c'est ça? Bibliothécaire. Oui, tu l'as dit. Alors ça va? Tu n'es pas dans le besoin? Ah non, non. Non, non. Je suis infirmière à l'hôpital. C'est bien. Tu t'en sors? Oui. Je crois que fonctionnaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça vous fait une assurance? Oui. La sécurité de l'emploi. Et Sybille, elle a le même de la grande vie. Vous avez pas eu d'autres enfants? Non, je me suis pas marié. J'ai vu qu'Anna était avec quelqu'un. Oui.
J'ai eu du mal avec cette séparation. Le divorce, à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde divorce. Pour nous, quand on se mariait, c'était pour la vie. Alors avec Anna... Après, ça ne m'a plus intéressé. Moi, j'étais... Comment dire ? Quand je suis arrivé à Lyon, j'avais 18 ans. Je me suis trouvé un studio. Au-dessus de chez vos grands-parents. C'était pas la même mentalité. À l'époque, les Italiens... Ils vivaient tous en groupe. Et moi, d'où je venais, on était plus indépendants les uns par rapport aux autres. Non, ça n'a pas marché. Bon. Faut que j'y aille. Moi aussi. Moi aussi. Donnez-moi de vos nouvelles, ça me ferait plaisir. Attendez pas de nouvelles de ma part, je suis jamais chez moi. Autant que je trouve la carte, le timbre, le stylo, l'adresse et je suis déjà ailleurs. Moi, je vous écrirai bien. Seulement, j'ai pas votre adresse. Bon, je vais être en retard si on se dépêche pas. Tu lui as dit ça? J'ai eu tort de vouloir le rencontrer, ça sert à rien, c'est trop tard, il remplacera pas la photo. T'es qu'à le revoir, toi! Vas-y avec tes enfants, salut Pépé, on va faire un tour de manège, puis vous irez donner à manger aux pigeons avec tes gosses! Non mais tu crois vraiment que c'est nous qui venaient voir prêts à défoncer la porte? Si on n'avait pas été là, il aurait ouvert. T'as pas compris? Il suit encore maman. Ça t'arrange de penser ça, hein? C'est plutôt problème s'il suit de maman. Exactement. Nous, on était l'obstacle entre eux. Tu comprends pas? Elle a largué à cause de nous, il n'était pas assez bien pour ses filles. Elle s'en foutait qu'elle soit bourrée, pas bourrée. C'est sacrifié pour nous. Quoi? Ouais, exactement, sacrifié. Elle voulait pas qu'on soit des filles d'immigrés, mais encore moins des filles de pauvres paumées. Même français, même beau, même tout ce que tu veux. Elle a fait ce qu'elle a pu. Faut que je rentre. Je fais une connerie. Faut que j'y aille. Tu vas pas être en retard, toi? Pour une fois, j'ai le temps. J'ai acheté des bougeoirs, je te les offre. T'appelles maman maintenant. Mon TGV est dans 4 heures. Je voudrais rentrer chez moi. Loin. J'ai besoin de sérotonin dans mes bras. Allô, maman? Ouais, c'est Sybille. Je pars tout à l'heure. Si tu veux, on peut te boire un café après ton bureau. Assez fade. Plutôt nul. Il est chiant comme la pluie.
À tes sœurs. Pense comme moi. On a parlé de la pluie et du beau temps. Quand on a fini la météo, on s'est séparés. Il nous a demandé de lui écrire. Il est gonflé. On a refusé. Il a posé des questions. Ouais. Vous lui avez dit que j'étais avec quelqu'un. Ouais. Quel t'a-t-il à fait? Il était content. Tu parles qu'il devait être content. Vu le nombre de fois où il est revenu frapper à ma porte, ça m'étonnerait beaucoup. Même après ton départ. J'ai pas voulu vous en parler pour pas vous perturber, mais... Mais aujourd'hui... Ouais, aujourd'hui. Tu sais, j'ai mis longtemps à l'oublier. Mais... Et lui? Il a refait sa vie? Mais où tu vas? Tu peux plus revenir en arrière. Il est avec quelqu'un? Sûrement. Il lui a pas demandé, mais après 30 ans, s'il est tout seul, c'est qu'il a un problème, non? Tu l'as trouvé comment? Physiquement? Détruit. Irrésistible. À 20 ans, il était sûrement irrésistible. Banal. Je ressemble pas tant que ça. Il était beau quand il était jeune. Non, il est pas beau. Pas beau du tout. Une tête de balai à chiottes, et un corps qui aurait beaucoup servi. Vous avez parlé de quoi d'autre? On a perdu notre temps. T'en as une? Oui. Oh, j'ai eu peur quand même. T'as eu peur pour rien. Je suis sûre que même sur une île déserte, je préférerais parler qu'un arbre. J'ai bien fait de le quitter alors.
sono un italiano. Torno in Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Torno in Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi italiano vero. Sono fiero.